Mitraros, Mitraros. Mon nom c'est Mitraros Eleftherios. Mon premier rallye, je l'ai fait en 1970. Comme tout jeune, hein, toute jeunesse aime voir des choses dangereuses, quoi. Hein, c'est ça qui m'a poussé. Okay. Hein, j'aimais bien la compétition, on était chaque fois en train de chercher un peu tout ce qui était compétition. Et voilà. Et aujourd'hui, si vous posez la question à toute la jeunesse rwandaise, mm-hmm. ce sera la même réponse pratiquement. Oui. Alors, regardez bien le launch control. Diver for Mitraros is like him and wife and husband that they stay together since long time. I know exactly what they are going to do. They know what they expect from me. And because after 30 years of collaboration, almost 30 years of collaboration, because we started in 84, so this year we celebrated the 30th anniversary together, and we know each other. Il faut aimer la mécanique, mm-hmm. il faut aimer la vitesse, et c'est ça qui fait que tout ça, quand c'est réuni, eh ben voilà, vous aimez la compétition et vous faites des rallyes, voilà. Putting the seatbelt on. Yes. Snap. Okay. La Seine, le Rwanda englobe les des routes merveilleuses, routes très techniques, et c'est ça qui fait que nous avons des compétitions qui plaisent beaucoup à des gens qui aiment glisser, qui aiment la technique des rallyes. Oui. Voilà. Je dois accélérer pour pouvoir avoir un départ très fort. Ok. Donc voilà, je mets la première, j'accélère. The future of rally in Rwanda, they are on the hand of the Minister of Sports, that they have to verify the performance of the federation. And the new federation, they have to be guided on the way to push the new talent, Rwandese talent, to have a possibility to drive a car, cheap car, and not very expensive, as we do on the start. And they have to verify if they are really passionate and they wanted to continue and wanted to push. As a lot of Ugandan drivers, they are on the cars. We believe that is possible also for the Rwanda. Il faut aimer la compétition et il y en a beaucoup ici au Rwanda. Et à ce moment-là, il faut plonger, hein, il faut avoir du matériel et voilà. Il faut aimer la vitesse.